obligatoirement, travaillant avec France Gallo en étroite collaboration, je m'inquiète de perte du nombre de partants en obstacle. Et ce que je peux noter, c'est que beaucoup de chevaux sont vendus foal en Irlande pour faire du pinooking. Et l'autre jour, en faisant les box lundi matin, je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution. Et j'ai pensé à utiliser Francière comme plateforme pour les éleveurs et les entraîneurs. Parce que nous, on n'a pas forcément le temps de faire le tour des élevages. Et les éleveurs, ils ont besoin d'être vus aussi. Donc pourquoi pas inscrire les poulains sur la plateforme Francière. Je pense quand même qu'on a besoin d'une certaine qualité de poulain. Pas du tout venant, parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout trier. Mais au moins, s'il y a une certaine qualité de poulain, que les entraîneurs, les courtiers français et les propriétaires français puissent aller dessus. Ils voient un poulain avec une origine qui leur plaît. Il y a le numéro de l'éleveur à côté. Il dit, bah, votre poulain m'intéresse, est-ce qu'on peut le voir? Et au moins, ça permet déjà, grâce à Francière, d'avoir un accès au poulain et de se déplacer de manière... De savoir pourquoi on se déplace chez l'éleveur. Et parce qu'on a, malheureusement, avec les courses qui sont tous les jours et tout, on n'a plus le temps de se déplacer chez les éleveurs. Et je pense qu'en utilisant maintenant Internet et Francière, qui est très utile au monde des courses, eh ben on doit avoir moyen de travailler en collaboration. Et surtout, cette idée, ce serait de faire des contrats Francière ou français, en disant, on vend notre poulain à un entraîneur français et ça garantit que le cheval court en France. Mais maintenant, si le cheval débute et court bien, on sait qu'il peut être vendu. Ça serait de faire un contrat entre l'éleveur et l'entraîneur en disant on met une redevance ou s'il est moyen, au moins il courra en France et ça permet d'entretenir la souche et d'avoir des chevaux qui ont couru en France et de pouvoir le présenter ses frères et sœurs après en disant lui il a pris 80 000 en France, tout ça, plutôt que d'avoir deux ou trois générations en Irlande et qui tue la souche, arrivé au 4-5e poulain, l'éleveur il dit oui, ils étaient en Irlande, ils n'ont pas couru. Donc voilà, je pense que tout le monde peut y gagner, sauver les souches des éleveurs français. Permettre aux entraîneurs français de s'aligner, parce que souvent, moi j'ai été dans des concours de modèles et allures, j'arrivais à voir un poulain, j'ai dit il me plaît, et on me disait il y a les Irlandais qui l'ont acheté hier. Donc voilà, ça permet à tout le monde de pouvoir travailler ensemble et surtout de sauver nos courses françaises, parce que on peut pas acheter la pierre à un éleveur qui va vendre très bien son poulain en Irlande, parce qu'il faut faire de la trésorerie, on a tous besoin d'argent, mais il faut aussi. À un moment, il faut aussi être franco-français et dire j'ai un bon poulain, on essaye de le sauver et de le mettre en France. Et s'il court en France, au moins on le voit courir et on met notre élevage en lumière. Et s'il est vendu, au moins on reprend un petit peu de sous. Et puis au moins il aura couru une fois en France. Et en ayant une garantie qu'il est chez un entraîneur sérieux, tout ça. Donc voilà, c'est une idée que j'ai, il faut travailler dessus. Mais l'objectif, c'est de ramener des partants en obstacle parce que... Il y a quand même, faut faire attention à nos courses.